je travaille sur l'abeille, en particulier sur l'intelligence de l'abeille. Je m'intéresse à savoir ce que les abeilles sont capables d'apprendre, de comprendre, comment fonctionne leur cerveau et quelle est la richesse de leur interaction entre elles et comment elles évoluent dans leur environnement. Ce que j'apprécie particulièrement en travaillant au CNRS, c'est qu'on a une très grande liberté sur les recherches que l'on peut mener, ce qui nous permet de faire des découvertes souvent inattendues. Et on a un fort soutien justement pour aller défricher des nouveaux territoires. Ce que j'aimerais du coup pouvoir dire aux jeunes, c'est de vraiment essayer de faire ce qu'ils ont envie, de ne pas se mettre des barrières eux-mêmes. Parce que souvent, voilà, pour, par exemple, le métier de la recherche ou tout un autre tas de métiers compliqués à atteindre, on se dit c'est tellement difficile qu'on ne va jamais y arriver et on n'essaye pas vraiment. Et c'est dommage parce que bien sûr, hein, tous ne vont pas y arriver, mais il y en a quand même quelques-uns qui arrivent et c'est dommage de ne pas essayer. Surtout qu'en essayant, on découvre parfois d'autres métiers proches qui sont tout aussi intéressants en allant dans la voie qui nous a.